RCF en Lorraine. Il est temps pour nous de retrouver Dame Magali et le seigneur Boulanger du côté du château de Fléville devant Nancy, Magali. Oui, bonjour, preux chevalier Romane. Très bon. Nous sommes de, Nous sommes de, de retour dans les studios. Donc, euh, je suis avec Amaury Boulanger, donc il est responsable du château de fléville de Nancy, Une demeure, comme on le disait, hein, qui est classée monument euh, historique. Alors euh, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va revenir sur l'histoire de ce château, un château qui se visite. Donc on va un petit peu vous parler de, de tout ce qui se passe au château. Alors déjà, bonjour Amaury. Bonjour Magali. Merci euh, d'être avec moi euh, à midi pour nous parler de ce beau château de Fléville. Euh, alors, déjà, vous, depuis euh, quand est-ce que vous travaillez au château euh, Quel est votre rôle exactement Alors, je travaille au château depuis mars 2020. Vous voyez, une période un peu difficile, mais qui pour moi était une période très riche et euh, très épanouissante où j'ai pu m'engager professionnellement au château euh, à la sortie de mes études à l'école d'architecture de Nancy. Et mais je m'étais engagé bénévolement depuis euh, de nombreuses années, depuis euh, 2015, on va dire. Et j'ai créé euh, avec ma sœur Gersande une association d'amis qui compte aujourd'hui 80 membres, une association assez dynamique et, et puissante. Euh, en février 2018. Donc, vous voyez, il y a un engagement associatif et bénévole qui a déclenché un, euh, bien le travail euh, dans le cadre là pour le coup professionnel. Alors responsable du château de Fléville, euh, concrètement ça consiste en quoi alors, Qu alors il faut être polyvalent, il faut être polyvalent absolument. Euh, ça prend énormément de formes. Bon, je travaille surtout sur euh, la mise en valeur de ce très beau château. Il euh, y a du suivi de travaux, il y a également la communication qui a une part très importante de ce travail. Euh, les réseaux sociaux, l'animation euh, des pages Facebook, Instagram, euh, euh, évidemment le lien avec la presse. Il y a également l'animation de l'association hein, qui est euh, qui fait partie Émission. et Il y a aussi bien, la mise en place d'expositions, le renouvellement des décors. C'est un château qui est habité, on, on pourra en parler, euh, mais c'est aussi un château qui se visite. Donc euh, on offre aux visiteurs euh, euh, de nombreuses pièces, plus de 15 pièces qui sont ouvertes au public, mais pour euh, eh bien, euh, refaire venir le, le public ou, euh, ou pour simplement euh, renouveler euh, les décors, euh, il y a régulièrement euh, des, de, de nouvelles mises en scène, des expositions qui, qui, qui viennent vraiment vraiment ponctuer l'année et changer un petit peu pour le public le, le, les thèmes. Et euh, votre famille a une, donc une véritable, un véritable lien avec le, le château, hein, parce qu'on disait, euh, votre père et votre sœur ont, ont été guides ou sont toujours guides au château. Oui, c'est un virus familial, c'est <laughs> vrai. Euh, D'abord, on a toujours eu un lien assez étroit avec la famille Delambel, propriétaire euh, du château. Et puis, effectivement, mon papa, dans les années 80, était guide pendant 10 ans. Euh, ma sœur Gersande s'est engagée en 2012, si je me rappelle bien, euh, en bénévolement, hein, de, du coup, euh, pour euh, une, un rôle de guide, conférencier. Et, euh, et puis ben, dans la foulée, euh, j'étais assez réticent, mais elle m'a dit Allez, viens, ça va te plaire, euh, tu y trouveras beaucoup. J'étais étudiant en architecture, donc j'avais un peu de travail, mais euh, je me suis lancé et ça m'a beaucoup plu. Effectivement, c'est un virus familial, on l'a un petit peu dans le cœur, ce château, et, et il n'est jamais très loin. On y revient, on, on y revient souvent, et euh, moi pour le coup, tous les jours. <laughs> et, et donc ce château, c'est une demeure privée. Alors euh, qui, qui, vit, qui vit dans ce château je, je pense que Roman se demande si on trouve des princes et des princes princesses Alors des princes et des princesses non, un <laughs> comte et une comtesse euh, le comte et la comtesse de Lambel donc Alexandre et Laure de Lambel ils ont trois jeunes enfants, Clément Anaïs et Laetitia et puis c'est la maman du propriétaire qui vit encore au château Marie-Charlotte de Lambel, comtesse de Lambel euh, qui elle euh, est arrivée à Fléville dans les années 75 euh, elle a épousé Thierry de Lambel qui était vraiment le seigneur des lieux, euh, il avait hérité à, à l'âge de 28 ans du château et pendant 60 ans il avait régné sur Fléville Villes. Euh, et voilà, Alexandre hérite donc de, de cette de très belle demeure que son papa a magnifiquement gérée. C'est un peu difficile de, de, de s'inscrire dans les pas d'un si grand monsieur. Certains, peut-être, de vos auditeurs le connaissent et le reconnaîtront. Euh, mais c'est une nouvelle génération qui prend en charge le château avec un nouveau modèle aussi à côté, à, grâce au, au soutien de l'association. Euh, et voilà, c'est une autre aventure, euh, toujours dans euh, la recherche d'élégance. Dans la recherche de beauté, dans le partage, dans la bienveillance. C'est un magnifique lieu, donc on le souhaite avant tout le partager. Et alors, rapidement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire du château, de sa construction à aujourd'hui Alors, son histoire est très riche. Fléville, c'est huit siècles d'histoire. L'histoire de Fléville commence en 1320 avec la construction d'un très bon donjon du Moyen Âge, qui est le seul et unique donjon de Lorraine encore sur pied, quasiment encore habité puisqu'il fait partie intégrante de cette grande maison, traversée par les visiteurs également. Euh, c'est une grande, une grande tour, qui est un véritable gratte-ciel à l'époque de sa construction, qui servait euh, d'avancée du châtelet de Nancy, c'était un point de contrôle, Fléville. Euh, et ce qui euh, est assez fabuleux, c'est que cette tour, elle est assez peu visible au loin, et euh, d'ailleurs au Moyen Âge, elle est inscrite au fond d'un vallon. Euh, C'est la topographie donc du village de Fléville qui a impliqué l'implantation d'une tour médiévale. Elle est tour de défense mais également tour d'habitation. Très longtemps on a vécu dans cette tour et puis euh, on a adossé une maison forte à cette tour qu'on a ensuite détruite euh, au XVIIe siècle mais surtout euh, est apparue une demeure de la Renaissance édifiée en 1533 par Nicolas de Lutzelbourg. Donc d'abord la famille de Fléville au Moyen-Âge, ensuite la famille de Lutzelbourg. Et c'est donc un petit château de la Loire posé en plein cœur de Lorraine qui, qui s'installe, ici au cœur de la Lorraine. Donc. Et c'est notamment une très belle façade euh, édifiée à partir du nombre d'or et très inspirée à la fois des châteaux de la Loire mais aussi de la Renaissance italienne. Et c'est vraiment une, une magnifique découverte pour ceux qui ne connaîtront pas Fléville parce qu'on euh, se croirait vraiment sur les bords de Loire. C'est assez frappant. D'ailleurs Fléville est souvent comparé à... Comparé à Aser le rideau pour la pureté et la sobriété de ses lignes. Je ne savais pas. Ouais, c'est magnifique. <laughs> ça donne envie du coup. C'est vrai, il y a des éléments assez euh, typiques et uniques, euh, des éléments typiques de la Renaissance, ça on, on les repère assez vite, c'est les fenêtres à menots, les frontons triangulaires, ça c'est un langage architectural euh, qu'on repère assez vite, mais il y a aussi des éléments singuliers à Fléville, notamment des cadrans solaires qui apparaissent sur les façades, et puis un grand balcon filant qui permet de relier euh, une aile à une autre du château sans passer par l'intérieur. Et également un très bel escalier à l'intérieur dessiné par des, ces artistes italiens qui sont venus s'exprimer à Fléville et puis le domaine a ensuite euh, évolué il était encore un château assez fermé à la Renaissance et c'est la famille de Beauvau qui s'installe à Fléville et qui va ouvrir le domaine sur euh, le château sur son environnement édifier notamment aussi les communs, supprimer les éléments défensifs et imaginer autour du château un magnifique jardin à la française qui était l'un des plus beaux jardins à la française que comptait le duché de Lorraine. Et puis ensuite arrive la famille de Lambelle qui après la Révolution bien va hériter d'un domaine laissé à l'abandon, euh, progressivement loué. Euh, voilà, c'est un domaine qui méritait une grande attention. Le domaine est acheté par Alexandre de Lambelle qui était général d'Empire et il va acquérir le, le château hors part, c'est-à-dire que le château n'avait quasiment plus de valeur et euh, vous imaginez donc les travaux de restauration très importants engagés et c'est la raison pour laquelle euh, on dit souvent que la famille de Lambel est une famille mécène parce qu'elle va engager euh, pour les 200 ans ici de son histoire euh, à, à Fléville elle va engager vraiment des travaux très conséquents à l'extérieur et à l'intérieur qui vont de redonner tout le lustre au château de Fléville. Et aujourd'hui, c'est cette demeure qu'on traverse, une demeure restaurée par la famille de Lambelle au XIXe siècle, mais qui a su euh, euh, aussi garder tous les témoignages des différentes époques et des différentes familles qui se sont succédées à Fléville. Et alors tout ça, euh, évidemment, on peut le voir via des visites guidées. Donc le château euh, n'est plus ouvert au public euh, en hiver, mais <laughs> exceptionnellement, là alors, pour les, les fêtes, il euh, y a quand même quelque chose. Effectivement, on est ouvert de d'avril, de Pâques, à fin octobre, et là vous pouvez profiter de visites guidées euh, euh, absolument riches. Hein. C'est un petit peu le, 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 la base, c'est ce qu'on propose. C'est un peu le, la visite classique, euh, mais effectivement on propose tout au, au long de la saison effectivement des animations, et notamment exceptionnellement cette année pour la première fois, euh, nous ouvrons nos portes à Noël. Ça, c'est vraiment unique en Lorraine d'abord parce que euh, les châteaux ouverts euh, au moment de Noël, on n'en voit que sur les bords de Loire ou dans la région parisienne. Et là, en pleine Lorraine, on, on le propose et euh, c'est vraiment à noter. Euh, donc, tout le rez-de-chaussée est visitable, les salons sont décorés, plus de 15 sapins décorent euh, ah oui, quand euh, quand le même. château. Oui, oui, c'est <laughs> un gros boulot. <laughs> Heureusement que j'ai les bénévoles avec moi pour, <laughs> pour préparer tout ça, mais ça se fait dans la joie, dans la bonne humeur. C'est avant tout cela que je, je retiens. Et puis, on a également une en cours, ça tout le monde peut en profiter depuis la grille d'honneur du château. Un grand sapin de près de 8 mètres et toute l'avant-cour est illuminée. C'est absolument magique. Tout ça, vous pouvez d'ores et déjà euh, euh, l'apercevoir, on va dire, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram du château, puisque nous proposons au quotidien en ce moment et sur le du 1er au 25 décembre un Noël connecté. Alors justement, c'est... quoi le, le principe de ce Noël connecté On découvre un petit peu plus le château chaque jour, les coulisses Oui, c'est vrai. Vous voyez par exemple, cet après-midi, je suis en live sur les réseaux sociaux. <laughs> euh, mais c'est ça, c'est euh, se servir. Ça, ça a été initié l'année dernière dans le cadre, enfin, dans une période qui n'était pas facile. Et on se demandait un petit peu comment partager le Noël au château, parce que c'est une période fascin... enfin, fabuleuse, fascinante. Moi, ça m'a toujours fait rêver. Et je me suis dit comment, euh, dans un contexte qui n'était pas facile, comment partager avec le public cela et euh, bon évidemment les réseaux sociaux nous aident beaucoup donc tous les jours à travers un calendrier de l'avant connecté on propose une petite surprise ça peut être une photo inédite c'est une vidéo en drone c'est euh un sapin challenge, c'est-à-dire qu'on nous envoie les, les sapins, les, nos, les particuliers nous envoient leurs sapins et on propose un concours. Ce sont des petits jeux, ce sont des, des lots à gagner, des places à gagner. Euh, C'est aussi donc des vidéos en live, les vidéos des coulisses où on, on, on présente un petit peu l'envers du décor. Ça prend plein de formes, mais euh, moi, ce, moi, <laughs> j'adore faire ça, je dois dire. <laughs> euh, ça me prend beaucoup de temps, mais j'adore faire ça. Et euh, c'est vrai que surtout, on voit l'intérêt du public et euh, ça va encore au-delà de l'ouverture au public et des visites, c'est-à-dire que le, le, le public est au quotidien avec nous et euh, on vit le château, on le vit avec eux. Et c'est en cela que euh, je trouve ça euh, d'abord intéressant et puis, et puis remarquable parce que c'est une vraie maison de famille aussi en cela euh, les enfants, les parents, on propose des petits, des petits euh, comment, des coloriages pour les enfants. Euh, donc ils vivent avec nous au quotidien, puis il y a une surprise par jour et ça c'est ça c'est assez, assez, assez marrant aussi. Oui, parce que euh, les, les enfants aussi, il y a, y a beaucoup d'animations pour eux hein. toute l'année. Je crois que j'ai vu qu'on pouvait même se déguiser en princesse et en prince. Oui, oui, <laughs> effectivement, des petits habits de princesse et de prince, ça, ça, ça c'est une visite euh, rêvée pour eux. Ils s'imaginent en prince, en princesse, en chevalier. Euh, donc là, là, on s'est carton plein pour nous. On leur offre un petit livret jeu aussi qui est gratuit, euh, qui leur permet de suivre euh, la visite et de le remporter à la maison. On a également une chocolaterie. Alors ça c'est aussi à noter parce que on est ouvert. La chocolaterie d'ailleurs est ouverte euh, à cette période, là du 17 au 20 décembre pour notre ouverture au public, mais tout au long de la saison, la chocolaterie est ouverte. Euh, vraiment, il y a une attention autour des enfants. On a également proposé dans la saison 2021, sur la saison 2021, une exposition Playmobil. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Autant on, on peut se lancer dans des expositions historiques euh, ou rappeler les grandes heures de Fléville, mais aussi on sait s'adapter. Et euh, pour diversifier euh, l'offre culturelle et aussi diversifier les publics, et notamment attirer les familles, euh, une exposition Playmobil, c'est absolument fabuleux. Ça a attiré plus de 1200 personnes sur deux jours, ce qui ah oui, pour nous même. est une grosse gestion. <laughs> euh, et puis même cette année, on a fait un record aux Journées du patrimoine. Ça fait partie de ces temps importants. Euh, là, c'est une manifestation nationale. Dans laquelle le château de Fléville s'inscrit, comme la nuit des châteaux, comme donc les, les journées du patrimoine. Ce sont des temps absolument fabuleux où là, le public a note ce sont des dates un peu clés où le public est au rendez-vous. Et là, on a battu des, un record cette année on a accueilli également plus de 1000 personnes. Ça, ça n'avait jamais été vu. Donc, ça veut bien dire que le public note tous nos efforts et que ce château, bien qu'encore méconnu, Hein, c'est vraiment peut-être aussi la raison de ma présence ici, c'est qu'il faut faire connaître ce château, il faut aller le voir parce qu'il est magnifique, il est entièrement meublé, décoré il est vraiment vivant et, et on, on ne regrette pas de, de passer par Fléville parce que c'est vraiment un château qui a gardé toute son authenticité et tout son charme et euh, voilà, je, je, je crois que vous avez compris. <laughs> eh bien merci beaucoup à Maurice Boulanger, donc je rappelle que vous êtes responsable du château de Fléville devant Nancy, alors on le rappelle, l'information principale, donc le château réouvre ses porte le temps de Noël donc euh, du vendredi 17 décembre euh, au 20 décembre donc Noël féerique euh, au château euh, l'entrée est libre non, non, on demande une petite participation financière parce que on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est effectivement aussi une charge pour la famille, le château. Donc une petite participation financière, réservation sur notre site internet. D'accord, pas de souci. Donc ce sera de 17h à 20h le vendredi 17 et ensuite les trois jours suivants, ce sera de 14h à 19h. Donc n'hésitez pas à aller visiter le château de Fléville devant Nancy et puis j'imagine qu'avec les habits de Noël, ça doit être d'autant plus charmant. C'est vrai, c'est <laughs> vrai. Un, à encore un grand merci à Maurice Boulanger à bientôt. Merci à vous.